le grand plaisir ce soir, avec Monsieur Arès, directeur provincial de la culture, de venir devant vous pour ouvrir les nuits du Ramadan. Nous vous avons préparé cette année une programmation véritablement coup de cœur, et je sais que vous avez tous répondu à cette invitation parce que vous étiez très nombreux à bouger sur Facebook, et je suis certain que nous allons voir la foule qui arrive et remplir ce parc pour venir écouter ce soir en première partie l'Abbès et en deuxième partie Halriwan. Merci à vous tous d'être présents. Je passe la parole à Monsieur Arès. Merci Monsieur Bania. Salam alaikum. Ramadan Mubarak. Quand vous êtes sur le jour, tour 11, من ليالي رمضان هذا الحفل الفني اللي كتقدمو المديريه الاقليميه للشؤون الثقافيه مع المركز الثقافي الفرنسي بمسانده ودعم من العملاء ديال الاقليم. حنا جد فرحين باش نقدموا لكم هذه السنه هذه مقاربه جيده مبنيه على تراثنا الفني ومزوجة مع تجارب دولية اللي نتمناو أن البرمجة ديال هذه السنة هذه تروقكم وتنال إعجابكم. كنتمناو أن الحضور يكون كبير, والدليل هو أن الوفود بقى جاية الآن القاعة. الحفل ديال اليوم غادي يكون مفصل لجزئين بحال الحفلات الثلاثة اللي غادي تعرفهم واللي غادي يعرفهم هذا الفضاء. الشطر الأول غادي يكون مع مجموعة غربية من فرنسا لاباس, والجزء الثاني غادي يكون مع مجموعة حال الغيوان. فرجة ممتعة ورمضان مبارك سعيد وشكرا. Alors vous vous doutez que la préparation d'un tel festival, c'est le travail, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de toute une équipe, et c'est un travail qui se fait avec le soutien de nombreuses personnes. On en reparlera tout à l'heure au moment du changement de plateau. Mais dès maintenant, je tiens à remercier Monsieur le Gouverneur qui est ici présent parmi nous. Je tiens à remercier la province d'El Jadida qui nous soutient sur cette très belle opération. Je tiens à remercier la ville d'El Jadida et tous les partenaires dont nous citerons tout à l'heure. Très bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci à l'Institut français, merci à la ville de Jadida de nous avoir invités. On arrive à la dernière chanson. Si vous voulez acheter le disque, l'original, La Route, on va l'avoir ici à côté.
un prix très raisonnable, sinon on arrive. Ouais, on va juste avant. Voilà. واحد بزناسي والاخر فنان اما نايا اسكاليا الماريكا اما نايا اسكاليا الماريكا طالالا في فاميلتي واحد قاري الاخر يقري في اليونيفرسيتي يحيى عنده فيلا برج الكيفان اما نايا الحشيش ما ينوض في الغربة عليه غطو حتى الدلة عسقا وبزيقو اللحم الحمار بحيه في شعبان اما نايا اما نايا Merci à vous, merci ce public. Reste ici, Jim. Tu peux rester ici. Oui. Tu ne vas pas t'échapper comme ça parce qu'on veut encore te garder sur la scène quelques minutes. Merci à vous tous d'avoir été aussi chaleureux. Merci beaucoup, Jim. Tu nous as régalé, tu nous as réchauffé le cœur. C'était absolument splendide. Et nous sommes très heureux de pouvoir t'offrir ces quelques fleurs en souvenir de ton passage à El Jadida. Et je voudrais citer en premier lieu les partenaires de la saison France-Maroc, le groupe Total, le Crédit du Maroc, Barry, partenaire de l'événement Nuit du Ramadan, Webhelp, et notre transporteur officiel, la Royal Air Maroc. Grâce à ces partenaires, c'est toute cette saison culturelle qui peut être mise en place et c'est ce festival qui est réalisable. Ce festival, vous savez, il n'est pas seulement ici à El Jadida, il est piloté par l'Institut d'El Jadida, mais il s'étend dans toutes les villes du Royaume où nous avons un institut français. C'est donc un grand festival. Au moment où nous sommes ici à écouter de la musique, eh bien à Fès, à Meknès, d'autres personnes sont là à écouter des groupes de musique qui vont tourner dans les différentes villes. Ce soir à Fès,
il y a Nourukane et Baifal Gnawa. À Meknès, il y a Gabacho Maroc. Des groupes que nous avons, Gabacho, que nous avons déjà accueilli, qui a été formé ici à El Jadida, et que nous sommes vraiment très heureux de pouvoir faire tourner pendant ces nuits du Ramadan. Parmi les partenaires, je citerai également FCCOM, qui nous permet de faire connaître cette programmation. Babel Fan, nos relais médias et communications. Medi1 Radio, Hit Radio, 2M Radio, L'Économiste, Express, Diptyque et enfin France 24 comme partenaires nationaux de la saison culturelle France-Maroc. Et puis nous sommes ici à El Jadida et nous avons sur place d'autres partenaires qui sont vraiment propres à notre institut, propres à notre ville, propres à notre festival, à notre soirée de ce soir. Parmi les partenaires, je citerai en premier lieu, ils ne sont pas sur les affiches, mais pourtant ils sont bien présents et ils nous rendent de très grands services. Les forces de police et de protection civile, que je remercie très très chaleureusement pour leur travail remarquable. Si le festival peut se dérouler dans de très bonnes conditions, c'est parce qu'ils sont là à assurer notre protection. Même chose pour la société FPBP à l'intérieur de l'enceinte qui assure la sécurité de ce festival. La direction provinciale de la culture et son directeur qui était parmi nous il y a quelques minutes, M. Arès, avec qui nous co-organisons cette soirée et les soirées des prochains jours. Je cite également la province d'El Jadida, la municipalité qui nous apporte une aide logistique et une aide d'organisation absolument incontournable. Nous sommes ici dans un parc municipal, c'est grâce à ce partenariat avec la ville d'El Jadida. Un partenaire que l'on remarque obligatoirement, c'est Incentive House. Tous les techniciens qui sont ici, qui s'agitent autour de moi et qui font que ce concert soit une réussite technique, une réussite de son, une réussite de lumière. Ils font un travail remarquable. Ça fait des années que l'Institut fonctionne avec Incentive House et vous avez raison d'applaudir parce que ce sont de vrais professionnels. Un partenaire qui nous est cher, partenaire hôtelier, l'hôtel Pullman. La société Caméléon, pour tout ce qui est graphique, pour tout ce qui est les affiches que vous voyez ici, tout a été organisé, imprimé, avec un partenariat de Caméléon. Et enfin, je cite pour la presse, El Jadida 24 et Mazagan 24, qui couvrent cet événement, de même que de nombreux autres organes de presse que je tiens à remercier. Donc vous voyez, c'est un...